Impossible, impossible. Ah, c'est en retard. Hein. Juste en retard, mais c'est en retard. En 3 minutes, est-ce que je peux manger en 3 minutes? Oui. Je suis dans le direct. Hein. Donc, je vais lancer le direct. Donc, Seigneur, merci pour ce repas béni. Les cuisinières, tous ceux qui ont participé de près comme de loin, au nom de Jésus. Amen. Oh! Thank you. Bon. Vraiment, désolé, hein. Let me eat first. L'émission arrive toujours à l'heure où je dois manger. Appelez-moi Yolande pour savoir quel niveau elle est. Qui est là? Demande là-bas, la sauce vinaigrette, là, on a fait ça avec quoi? Allô, papa, demande, quelle est la condition? Ok. Vas-y. Papa, c'est ça. C'est fait par ta fille, hein? Ok. Il y a quoi dedans? La moutarde. Je suis la belle. Ouais. Mm-hmm. La moutarde, mais le vinaigre basmati. Le vinaigre basmati. Oui. Un peu de poivre blanc. Un peu de miel, puisque c'est sans sucre. Un peu de miel. C'est parfait. Hein? C'est parfait. Moi, mon problème avec les salades, c'est la sauce vinaigrette en fait. Ben, la salade peut être esquisse, et quand la sauce n'est pas bonne, c'est. Donc, moi, mon goût pour les sauces vinaigrettes là, c'est un peu complexe quoi, c'est compliqué. Mais là, c'est que du bonheur. Félicitations. Oui, je lui ai demandé que je préfère prendre la sauce vinaigrette chez elle. Quand elle fait, je récupère. Bravo. Bonjour. C'est quelle heure? Arnaud, papa. Dans la Bible en grec là, dans ma salle bas. Voilà, bonjour. Connectons-nous massivement parce que j'ai une confession à faire ce matin. C'est sérieux. Partagez avec vous. Fais une confession. C'est sérieux ça. J'ai une confession que pour faire, il faut manger d'abord. C'est là. C'est compliqué. Nous attendons nos bien-aimés. Nous allons lancer. Elle est où? Avec moi, Thérèse. Oui, c'est vraiment trop bon, mais il faut me couvrir ça.
demain, efforcez-vous à me servir avant 10 heures. C'est-à-dire plus tard, 9h30, je dois être en train de manger. Il faut couvrir. Ok. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Dites à tout le monde que le prophète Ferdinand Kanin veut confesser. À tous ceux qui jeûnent, je demande pardon. Je ne souhaiterais surtout pas que ce soit par moi que le diable passe pour vous tenter. Voilà, on a cassé le jeûne. Cassez pas, continuez. Cassez pas le jeûne, s'il vous plaît, continuez le jeûne là. Voilà, donc j'ai une grande confession à faire. Vous savez, dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. Je veux dire la vérité, je vous dis la vérité. Je vous dois la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Mais surtout quand vous êtes entouré de bonnes personnes, de personnes qui ne vous ont rien fait, il faut leur dire la vérité. Donc j'ai dit que je vais confesser et j'ai écrit ça dans le titre de mon émission. Je voudrais revenir sur les circonstances qui m'ont amené à boire le sang humain et à manger la chair humaine. Donc je vais revenir sur ça, sur ces circonstances. Vous ne méritez pas que je vous cache cette vérité-là. Je vais la partager avec vous ce matin. Donc, pour que quelqu'un ne dise pas que non, je n'avais pas suivi. On m'a raconté. Donc, je pense que c'est important pour nous de partager cette vidéo dans tous les groupes où nous sommes. Dans tous les groupes, que chacun entende de ses propres oreilles. Qu'on ne raconte pas à quelqu'un. Que quelqu'un ne dise pas non, je n'étais pas là. Non, 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 non. Chacun, je veux m'exprimer devant tout le monde. Donc, s'il vous plaît, je voudrais m'exprimer ce matin. J'ai gardé longtemps ce secret et je me suis dit que non, il faut que je vous dise finalement la vérité. Parce que beaucoup de personnes se sont posées les questions, se posent encore les questions. Pour faire Ferdinand Kanin, la prophétie, vraiment, oh non, lui, sa force vient d'où? Non, non, je voudrais reconnaître et vous dire, avant de me condamner, il faut d'abord m'écouter. Écoutez-moi, prenez le temps de m'écouter. Parce que dans la vie, il y a des choses, les erreurs que les gens commettent. Vous ne savez pas comment, comment, le comment du comment, vous ne savez pas dans quelles circonstances. Mais aujourd'hui, les gens sont toujours prompts à juger les autres et tout. Bon, si j'ai mangé le sang, mangé la chair humaine, j'ai bu le sang humain. Avant de condamner, c'est quand même important de comprendre d'abord qu'est-ce qui a amené cet homme jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à ce point? Maintenant, vous analysez le pourquoi, le comment, et puis vous voyez sur la balance. Est-ce que la personne mérite d'être jugée ou condamnée ou rejetée? Ou alors, est-ce qu'on peut quand même lui donner le bénéfice du doute? Est-ce qu'on peut lui donner une seconde chance? C'est ça la vie, mes amis. C'est comme ça que la vie devrait se passer. Mais il y a des gens tellement sévères qu'ils ne vous donnent même pas une seconde chance parce que vous avez commis une erreur. Comme celle-là qui s'est arrivée que vous ayez bu du sang humain ou bien la chair humaine. Donc, il y a les gens qui le font, qui ne viennent pas dire ça en public. Mais moi, je viens, je partage en public. Je pense que juste à cause de cela, je mérite, vous voyez, je mérite la sollicitude de tout le monde, la sollicitude de ceux qui, même de ceux qui ne m'aiment pas. C'est pas parce qu'on est ennemi, parce que je suis votre ennemi, que, ok, bon, le prophète Ferdinand Kanin, voilà, il a dit, on ne m'a pas forcé. Personne ne m'a forcé. Je veux le dire volontairement. Personne ne m'a forcé. Personne. Vous savez qu'à un certain moment,
Il faut être vrai envers soi-même. Il faut être véridique envers soi-même. Donc, c'était ça que je voudrais m'ouvrir. Vous savez qu'il y a des confessions que si vous ne faites pas ça, vous êtes lourd en vous. C'est un fardeau, c'est un poids que je porte depuis longtemps, depuis des années. Hein. Depuis des années. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des prédispositions à l'AVC, n'écoutez pas. Zappez, passez. Si vous avez des prédispositions à l'AVC, passez, s'il vous plaît. Parce que l'histoire, ça a commencé depuis longtemps. C'est depuis des années. C'est à peu près 30 ans aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter là. La première expérience, c'était en 1991. C'est 91? Non, non. Pas 91, 80. Oui, 80. Non, non. C'était bien quelle année où j'ai failli d'abord boire le sang. 80, 93, 92. Ça veut dire 92, je crois. Hein. Bon, c'est entre 91 et 92. La première fois que j'ai failli, c'est-à-dire on a failli m'initier, c'était avant 92. Donc, je voudrais revenir sur ça, mais s'il vous plaît, mes bien-aimés, je sais que sur Facebook, les gens sont toujours prompts à insulter, prompts à juger, prompts à condamner, prompts à raconter n'importe quoi. Ne jugez pas quelqu'un sans avoir été à la place de la personne. Ça, c'est le conseil que je vais vous donner. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un juste sans être à la place de la personne. Il faut d'abord comprendre que ce n'est pas l'erreur, la faute qu'une personne commet qui est importante. Mais ce qui l'a poussé à cette faute-là, c'est ça qui est le plus important. Donc, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Dans 2 minutes, là, on va commencer. Partageons dans tous les groupes, dans tous les groupes. Et je dis qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes dans l'église, hein, je parle de chrétiens, qui boivent le sang, qui mangent la chair, mais qui n'ont pas le courage de venir parler en public. Laissons même ceux de dehors, c'est-à-dire les sorciers de dehors, ceux qui pratiquent, ont pratiqué la sorcellerie ou bien pratiquent les arts de sorcellerie à l'extérieur. Nous parlons de ceux qui sont à l'intérieur, nous parlons de ceux qui sont des chrétiens. Vous voyez? J'ai pris beaucoup de courage pour venir ici parler de ça. Donc il a fallu que je réfléchisse toute la nuit pour me demander est-ce qu'il faut, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que l'on puisse en parler? Et il faut, ce qu'il faut que vous remarquiez, vous sachiez, c'est que quand j'étais musulman, je n'avais pas encore goûté à la chair humaine ou bien bu au sang. Bu au sang, donc j'étais encore musulman. À l'époque, je n'avais pas, parce que on ne m'avait pas initié à ça. Je n'avais pas fait. Donc, mais ça a commencé quand je suis devenu chrétien. L'histoire commence avec l'acceptation de Jésus-Christ comme mon Seigneur sauveur personnel. C'est à partir de ce moment-là que la vie, il ne faut jamais dire jamais dans la vie, sincèrement. Donc, quand j'étais musulman, je n'avais jamais, on m'avait jamais initié à manger la chair humaine ou à boire le sang humain. C'est quand je suis devenu chrétien qu'on m'a initié. Bon, mais la première fois, comme j'ai dit, la première fois où ça s'est passé, c'était dans les années, je ne me souviens pas trop, hein, dans les années 90, 91, je crois bien. Ça va être en 90 ou en 91. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on peut commencer. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous vraiment. Et que ton sang nous lave. Seigneur, aide-nous. Et donne la patience à tous ceux qui vont m'écouter pour me pardonner. Avoir la force pour me pardonner. Tous ceux qui m'ont fait confiance, Seigneur, et qui aujourd'hui risquent d'être blessés. Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce de pardonner. Et surtout que ce partage puisse nous édifier. Édifier ton église, ta maison, pour que tous ceux qui vont m'écouter puissent gagner quelque chose de mon histoire, de mon expérience. Il y a des choses que nous vivons, c'est pour le salut des autres. Seigneur, merci parce que cette expérience sera une éducation et un plus dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, merci pour le courage que tu me donnes d'en parler. Que ton nom soit glorifié. Pour toi, je me tiendrai. Et je tiendrai tête au monde entier, Seigneur. Et je me battrai pour défendre les couleurs de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà.
Donc, le Seigneur m'a déjà pardonné. Maintenant, c'est à toi de voir si tu vas me pardonner ou pas. Je prends le risque parce qu'il y a l'église aussi. Les gens peuvent se dire, OK, bon, voilà, on nous avait dit que c'était un sorcier et tout. Et donc, voilà, je ne veux plus aller là-bas à l'église. Ouais, c'est des gros risques que je prends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois où j'ai failli boire le sang et manger le corps humain, c'était à Tibati. C'était à Tibati. Alors, merci pour tous ceux qui me pardonnent déjà. Hein. Il y a les gens qui disent, Dieu juge, Dieu ne juge pas les actes, mais le cœur. Sinon, David ne serait pas un homme selon son cœur. Merci vraiment, grand merci. Merci à vous. Bonjour papa et surtout, sois encore béni. Merci. Il y a aussi une autre personne qui m'a dit que vraiment, que je n'ai pas peur, que je m'exprime parce qu'ils m'ont pardonné. C'est l'important, c'est de confesser. Et je bénis Dieu pour de telles personnes. Que Dieu vous bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je voudrais qu'on me rassure d'abord. Rassurez-moi qu'on n'allait pas me condamner. Je veux qu'on me rassure. Parce que même ma mère, je ne l'ai pas avertie. Je ne l'ai pas avertie que je devrais parler de ça. Elle ne connaît pas. Si je disais ça, elle allait me dire que mon fils ne parle pas, tu sais. Il y a des personnes immatures qui peuvent mal interpréter et qui peuvent, tu vois, être découragées dans la foi. Donc, j'ai surpris tout le monde. Personne. Sans vous avoir écouté, je vous pardonne déjà. Merci. Oh, alléluia. Car l'amour du vrai pardonne tout. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Vous m'encouragez parce que je risque même de ne pas dire parce que c'est un peu compliqué. Oui. Je risque, je ne sais pas si je dois dire, si je dois confesser, si c'est parce que si je ne dois pas confesser. Donc, mais à cause de ces personnes qui m'aiment, qui me disent, qui m'encouragent, je dis merci déjà et je pense que je vais prendre mon courage à deux mains pour parler de cela. Donc, mais il faut savoir, en réalité, ce n'est pas que moi j'ai voulu m'initier à l'anthropophagisme. L'anthropophagisme, c'est le fait de manger la chair humaine ou le boire le sang. Vous voyez. Voilà, il y a Justine Noubissi qui dit, vous serez toujours notre papa, merci. Il y a le prophète Kwame qui dit, papa, Dieu est miséricorde, Dieu, amen, amen. Il y a aussi Christophe qui dit, je te pardonne, que Dieu te pardonne aussi, papa. Amen, merci à vous. Là, je suis encouragé, je veux parler. Là, je veux parler. Je veux parler. Shalom, seul Dieu est juste, digne de juger, confesser. Doser faute et gagner le ciel est important. D'accord, merci. Sachez d'avance que vous êtes pardonné, papa. Oh mon Dieu. Mon Dieu, ça c'est bien. Là, je connais Tibati. Là, c'est Germaine Djouti. Voilà. Voilà, Germaine Djouti, vous voyez, à Tibati, là, le quartier là même, j'ai oublié le nom. Ce n'est pas vers Tomi, hein, c'est l'autre côté, mais c'est la rivière Tomi, vers la gendarmerie, là, le petit marché. Quand vous descendez là, il y a un endroit où on lave les voitures là. Papa, Dieu t'a déjà pardonné. Nous sommes, nous les hommes, pour ne pas faire autant. Amen. Merci. Ça, c'est bien. Vous êtes pardonné, prophète. Amen. Là, je parle maintenant. C'est le temps de... Christ est venu pour sauver les malades et non les bien portants. Merci. Merci. Il y a Michel qui me dit courage. Merci beaucoup. Qui sommes-nous pour vous juger? Waouh. Merci. Seigneur, merci pour cette bonté, cette miséricorde à laquelle je ne m'attendais pas. Seigneur, merci parce qu'en toi, j'ai la force de parler en public. D'habitude, Seigneur, les gens nous crucifient. Merci pour le courage au nom de Jésus. Amen. Alors, ce n'est pas moi-même qui ai voulu aller m'initier. Ça, je vous le dis, je ne savais pas. Donc, un dimanche, c'était un jour, j'étais quitté de Ngaoundéré pour aller à Tibati à l'époque. Et il y a feu ma grand-sœur à l'époque là, qui partait quelque part. Elle partait quelque part. Et c'était à Tibati là-bas, après la rivière là, donc on montait dans un endroit un peu bien caché. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Oui, quel homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-sœur donc m'invite. Je ne sais pas si elle savait ce qui se passait là-bas, mais je crois qu'elle savait. Elle savait ce qui se passait là-bas. Et elle m'a invité. Je suis allé, c'était un dimanche matin. Quand je suis donc arrivé, je suis entré dans cet endroit, je me suis assis. Et il y a des choses qui se passaient. Moi, j'étais musulman à l'époque, vous voyez. Et je suis entré, je me suis assis. Et il y a un cérémoniel qui passait, un cérémoniel qui passait. Dans un langage que je ne comprenais pas, des chansons. Et puis, les gens parlaient ici.
Les gens répondaient, mais c'était dans un endroit bien caché, sous l'ombrage d'un gros arbre, c'est-à-dire un gros manguier. Et donc, moi j'étais étranger, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Donc, en fait, je ne comprenais pas le langage qu'ils tenaient, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, j'observais dans tous les cas, j'étais très observateur, et je regardais, et les gens, il y a un monsieur qui s'est levé et il parlait, il y a d'autres personnes qui répondaient, un monsieur qui parlait, d'autres personnes répondaient, et ma grand-sœur était engagée dedans. Elle était engagée, ça veut dire qu'elle, on l'avait déjà embobinée. Voyez, elle était déjà embobinée. Et c'est comme si elle y prenait plaisir. C'est comme si elle prenait plaisir. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû apporter, j'ai vu quelqu'un qui a apporté, il a dit que c'est l'heure de manger la chair et de boire le sang. Et pour vous dire la vérité, j'étais un peu dérangé. J'ai regardé à gauche, à droite, je me suis demandé qu'il mangeait la chair humaine et le sang humain. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma grand-sœur? Qui l'a amenée ici? Qui l'a amenée ici? Comment est-ce qu'elle l'a fait pour se retrouver dans une situation comme celle-ci, qu'elle veut aussi m'initier? Normalement, une grand-sœur responsable ne devrait pas entraîner son petit frère dans une telle chose. Non. Elle devrait plutôt me préserver, me protéger. Dire que non, mon petit frère, l'endroit, ce n'est pas un bon endroit, ne viens pas là-bas. Ou alors elle devrait garder ces pratiques-là pour elle seule. Bon, peut-être elle s'est dit que, OK, quand j'amène mon petit frère, on va manger ensemble et il ne pourra pas dire ça. Donc, on a apporté, et c'était, il y avait la chair humaine, il y avait le sang humain dans un plateau et on a apporté ça. Et chacun prenait et il coupait son morceau et il mangeait. Voyez. Chacun prenait, il mangeait. Chacun, celui-ci buvait, et puis on servait le sang dans des verres, et les gars buvaient, on coupait et tout. Et il y avait deux jeunes messieurs à côté de moi. Ici à côté de moi, et l'un a coupé sa part, et l'autre aussi a coupé sa part, et puis il mangeait la chair et il buvait le sang. Excusez-moi, on va essayer de changer le micro, s'il vous plaît, parce que là, l'équipe technique me dit qu'il faut que le son soit bon, que les gens. Le micro, c'est déjà branché, tout est bon. OK. Donc, excusez, s'il vous plaît. Vous avez testé. Oh, Seigneur, donne-moi le courage. Là, c'est bon. D'accord, dites-moi, vérifiez si le son est bon, s'il vous plaît. Hein? Le son est bon? Dites-moi si le son est bon, je vous en prie. Est-ce que c'est bon là-bas? Est-ce que le son est bon? S'il vous plaît, ceux qui sont en direct, dites-moi si le son est bon. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, c'est ma grande sœur, hein? Qui m'a initié, c'était pas moi. C'est ma grande sœur qui m'a initié là-bas. Est-ce que c'est bon le son? Le son est parfait. C'est pas encore arrivé. Donc, bien-aimé, dites-moi si le son est bon, je vous en prie. Oh Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'étais assis, donc, il y avait deux jeunes hommes à côté de moi. Et chacun doit couper son morceau de chair. Et chacun a pris le verre, il a rempli, il a mis et il a bu. Donc quand c'est arrivé devant moi, moi aussi, j'ai amené la main. Quand j'amène la main pour couper aussi ma part de chair et le vin, le sang, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous êtes baptisé. Et je leur demande que baptisé, ça veut dire quoi? Je ne comprenais rien. J'étais encore un musulman, vous comprenez. Et on m'a demandé, est-ce que vous êtes baptisé? Je savais que le baptême, c'est quoi? Et ils m'ont dit que vous ne pouvez pas manger de cette chair humaine, ni boire de ce sang, si vous n'êtes pas encore baptisé, par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, et là, je suis sorti étant très fâché. Déjà que je n'avais pas mangé depuis le matin, et pour moi, c'était une belle occasion de prendre mon petit déjeuner. Et là, on me demande, non, vraiment, il faut d'abord que tu sois baptisé. Je suis sorti, j'ai pas fini la cérémonie là-bas. Donc, quand le culte finit, la réunion l'a fini, ma grand-sœur va m'appeler à côté et elle va donc m'expliquer que non, tu sais, en fait,
il fallait d'abord que tu fusses baptisé. Dis-lui, m'a baptisé, c'est quoi? Il dit, tu dois accepter d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et là, tu peux manger la chair de Jésus, et tu peux boire son sang. Vous voyez? Donc, vous savez, bien-aimés, le mystère du christianisme même, c'est l'anthropophagisme. Ça veut dire que c'est la capacité de manger la chair et de boire le sang de Christ. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible dans Jean chapitre 6, verset 54, voilà la première fois que j'ai failli manger la chair et boire le sang de Jésus. J'ai raté ça cette fois-là. Alors, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 54, je vais vous montrer un mystère là-dedans. Il y a un grand mystère dedans. Si vous êtes chrétien, vous n'avez jamais mangé le sang, mangé la chair et bu le sang, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Tout vrai chrétien est un anthropophage. Le son là, c'est meilleur que tout à l'heure. C'est meilleur? Voilà. Donc, tout chrétien doit être un anthropophage. Tout chrétien, Jésus m'a initié à manger son sang, à manger sa chair et à boire son sang. Et tout enfant de Dieu qui n'a jamais manger la chair de Christ et qui n'a jamais bu son sang, tu n'as jamais mangé la chair humaine ni bu le sang humain, c'est le sang de Christ, homme, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Et la Bible dit ceci: Ho progon, ho trogon, mou, ten sarka. Ho trogon, mou, ten sarka. Kai pinon, mou, to aima. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, trogon, veut dire manger, se délecter, manger avec appétit. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, et il dit, Kai pinon, mou, to aima, et ne boit pas mon sang. Mais il y a un mystère dedans. Trogon, trogo, en grec veut dire, c'est le futur, hein? Trogon, ou bien pinon, c'est le futur. Quiconque ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'est pas digne de moi. Kai pinon mou, ta aima, et kei zoé, Ionion. Il dit, Ho progon mou, ten sarka. Celui qui mange ma chair, kai pinon mou to aima, et qui boit mon sang, et kei zoen aionion, a en lui la vie éternelle. Kago anastiso aouton, te eskete emera, et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a en lui la vie éternelle. Parce qu'en fait, un raisonnement à contrario, ça veut dire que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Il dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair a en lui la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, on peut dire quoi? Pour dire tout simplement que un chrétien qui n'a pas mangé la chair de Christ, tu n'as pas été initié à la sorcellerie de Christ, tu ne manges pas sa chair, tu ne bois pas son sang, tu ne peux pas être sauvé. La vie éternelle n'est point en toi. Maintenant, il faut que les gens comprennent une chose. C'est donc quoi manger la chair de Christ et boire son sang? Beaucoup de personnes pensent que c'est la Sainte Cène. La Sainte Cène est une image. La Sainte Cène est un symbole. La Sainte Cène, c'est juste un symbole. Mais ce n'est pas manger la chair de Jésus ni boire son sang là-bas. C'est ça la vérité. Il y a des chrétiens qui pensent, ok, comme j'ai pris la Sainte Cène, donc j'ai mangé le corps de Christ et j'ai bu son sang et ça me suffit. Non! La Sainte Cène, c'est juste une image. Mais il y a la partie spirituelle de manger le corps et de boire le sang de Jésus. C'est quoi manger le corps de Christ? Et c'est quoi boire le sang de Jésus? Dans ce passage, nous avons deux choses. Nous avons deux choses. La première des choses, c'est le corps de Christ, manger le corps de Jésus. Toute personne qui se dit être chrétienne et qui ne sait pas comment manger la chair de Jésus, non, il y a un problème, vous voyez. Donc, il y a un problème. La chair de Jésus, c'est quoi? Manger la chair de Jésus, c'est quoi? D'abord, le corps de Jésus représente la mort. Vous voyez, c'est la mort. Donc, ce n'est pas seulement prendre la Sainte Cène qui est important. Non. Ce qui est plus important, c'est de mourir comme Christ est mort pour la cause du royaume. Tant que vous ne mourrez pas pour Christ, vous êtes chrétien, vous ne mourrez pas en vous-même. Vous ne mourrez pas. Ça veut dire quand on parle de mourir,
C'est ça que l'apôtre Paul dira, « Ose itis en Christo. » Kahine kitisis, ta arkahi apparelten, idu gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez. Donc pour dire quoi? Si quelqu'un dit être enfant de Dieu, la première chose c'est qu'il doit mourir d'abord. Le corps de Christ, la mort. Tu dois mourir à ton ancienne vie. Tu dois mourir à tes péchés. Tu dois mourir à ton ancienne personne. Ça veut dire quand on te voit, tu marches à nouveauté de vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es mort. Tu es une personne morte. Or, beaucoup de personnes en Christ ne sont pas mortes. D'autres sont évanouies en Christ. D'autres sont dans un état comateux en Christ. Voyez. D'autres sont juste hurluberlués en Christ. Voilà. D'autres sont juste étourdis en Christ. Mais le corps de Christ, quand on parle de manger sa chair, il s'agit de devenir comme il était. Ça veut dire, il est mort pour la cause du royaume. Tu dois mourir en toi-même toi aussi. Tu dois mourir avec lui. Et il faut savoir que si tu meurs avec lui, ça veut dire que tu vas aussi ressusciter comme il est ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit que si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Donc il n'y a pas de règne sans persévérance. Or la persévérance, c'est la mort. C'est l'endurance des souffrances, etc. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Vous comprenez? Donc, l'engagement chrétien ne devrait pas te pousser à regarder derrière. Quand tu t'engages à marcher avec Jésus, dans les bons jours, les mauvais jours, tu dois continuer à marcher avec lui. Aucune situation de la vie ne doit t'amener à renoncer, à abdiquer de ton engagement de servir Jésus. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, tu ne dois jamais renoncer à ton identité chrétienne. Donc c'est ça le corps de Christ, c'est ça manger le corps de Christ. Maintenant, le corps de Christ, quand on dit manger le corps de Christ représente quoi? Deuxièmement, le corps de Christ représente le sacrifice. Ça dit quoi? Ça veut dire que Jésus s'est offert en sacrifice pour notre salut. Donc son corps représente le sacrifice. Sa chair représente le sacrifice. Ça veut dire que celui qui est en communion avec ce corps de Christ, sa vie doit être offerte en sacrifice à Dieu, comme Christ a offert son corps en sacrifice sur la croix. Donc voilà pourquoi chacun de nous doit porter la croix qui est son autel, et il doit offrir en sacrifice cette fois-ci, pas de l'or, pas de l'argent, pas ses biens matériels, mais son corps, sa vie tout entière doit être sacrifiée, doit être posée sur l'autel du sacrifice qui est la croix, qui est le symbole du sacrifice. La croix qui est le symbole de la souffrance, de la consécration à Dieu. Donc, il n'y a pas de christianisme sans sacrifice. C'est ça que Jésus dit que si quelqu'un ne mange pas sa chair, il n'a pas la vie éternelle en lui. Mais celui qui mange la chair de Jésus, il a la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il mange Christ. Or, quand il parle de sa chair, ça veut dire que c'est un symbole, c'est un voile, mais qui garde et cache des mystères. Donc ma vie doit être aussi offerte en sacrifice. C'est en cela que je sais que je mange la chair de Christ. Ce n'est pas en mangeant le pain à l'église ou en buvant la grenadine. Non. Ou bien le vin rouge comme d'autres le font. Non, ce n'est pas ça la vraie communion. Là, c'est juste la symbolique de la communion. Mais la vraie communion, c'est dans ta vie, dans ta marche de tous les jours, dans ton identification à Christ. C'est là que la vraie sainte scène se passe. La sainte scène, c'est juste pour nous rappeler. C'est que le corps de Christ doit être pour nous et c'est que son sang doit être pour nous. Il n'y a pas de christianisme sans sacrifice. Il y a beaucoup de choses que tu dois sacrifier. Comme Christ a sacrifié sa vie pour mettre en priorité le royaume de Christ, le royaume de Dieu dans sa vie, le royaume de Dieu doit devenir ta priorité. Tu dois sacrifier toutes les choses dans ta vie qui ne sont pas prioritaires par rapport au royaume et par rapport à ton salut, par rapport à ta relation avec Dieu. Tant que tu ne sacrifies pas les choses qui sont supposés te séparer de Dieu, t'éloigner de Dieu, automatiquement, tu ne manges pas encore le corps de Christ et la vie éternelle n'est pas en toi. Donc, il y a les caractéristiques du corps de Christ, il y a les marques. Ce que l'apôtre Paul appelle les marques du corps de Christ. Il dit, désormais, que nul ne me fasse de la peine, car déjà je sers de libation et je porte en moi les marques de Christ. Vous voyez? Donc, il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 1, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. C'est ça la vraie sainte scène. C'est ça, manger la chair de Christ. J'offre ma vie en sacrifice. Je me sépare de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Je les offre en sacrifice. Je les dévoue, pas interdit. Pour désormais ne vivre que pour ma foi. Pour désormais ne vivre que pour les intérêts du royaume de Christ. Pour désormais ne chercher qu'à plaire à Dieu et non plus à moi-même. Comme une femme ne cherche pas à plaire à elle-même, mais à son mari. Parce que, en fait, pourquoi les mariages échouent?
Parce que le mari veut plaire à lui-même et la femme veut plaire à elle-même. C'est pour cela que cet individualisme amène plusieurs couples à la destruction. Mais dans un mariage réussi, dans un mariage mature, la femme cherche à plaire à son mari et le mari cherche à plaire à sa femme. C'est comme ça qu'on réussit. C'est-à-dire que le mari ne s'habille pas pour lui-même. Il pose ce qui fait plaisir à sa femme, pas à ses collègues, pas à ses amis. Non, pas aux femmes de dehors. Non, un homme qui veut que son couple réussisse, il doit s'habiller de ma chérie, est-ce que ça te plaît? La femme dit, oh oui, mon bébé, c'est bien, t'es beau, ok, vas-y. Et puis elle aussi, elle ne se coiffe pas, elle ne s'habille pas parce que pour lui faire plaisir, pour se faire plaisir à elle-même. Non, c'est la même chose avec Christ. Lorsque j'accepte Jésus et que je dis être enfant de Dieu, je ne cherche plus ce qui me fait plaisir. Je cherche à faire plaisir à mon mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, le corps représente aussi les souffrances de Christ. C'est-à-dire que le christianisme, c'est la souffrance. Vous vous souvenez des marques de Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a fouetté ce corps, on a blessé ce corps, on l'a lacéré. On l'a déchiré, on l'a déchiqueté, on l'a émietté. Ça montre que ta vie sera aussi fouettée. Tu vas aussi subir des fouets, tu acceptes que je vais subir des fouets. Donc, le christianisme, ce n'est pas le miel, ce n'est pas toujours la lune de miel, ce n'est pas le chocolat, non, ce n'est pas ça. C'est un engagement sérieux pour des personnes matures. C'est un engagement de vie ou de mort. Ça veut dire que je vive ou que je meurs, je ne renoncerai jamais à mon identité. J'accepterai comme insulte à cause de Jésus. On se moquera de moi comme on se moquait de lui. C'est ça les marques du corps de Christ. On va me persécuter comme on a persécuté le Seigneur Jésus. On va me rejeter comme on a rejeté le Seigneur Jésus. On va m'insulter, on va me fouetter, on va m'emprisonner à cause de l'évangile. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas capables d'endurer la moindre souffrance à cause de Jésus. Vous voyez? Donc c'est le sacrifice. Et en même temps, il faut comprendre que le corps de Christ aussi représente la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle, c'est quoi? C'est la persécution spirituelle. La persécution spirituelle, c'est les épreuves, c'est les tentations. Jésus a été mené dans le désert pour être tenté. Toi aussi, tu seras mené plusieurs fois dans le désert pour être tenté, puisque tu as mangé sa chair. Donc il y aura la manifestation de sa chair en toi. Tu seras tenté. Satan cherchera à te détruire. Satan va te combattre. Satan s'opposera à toi. Satan fera tout pour que tu n'arrives pas à la croix comme il l'a fait pour Christ. Donc celui qui mange la chair de Jésus, s'identifie à Jésus, la vie de Jésus vit en lui. C'est normal qu'en mangeant de sa chair, automatiquement tu aies la vie éternelle parce que la vie éternelle est dans sa chair. Voyez. Et c'est pour ça que la Bible dit, mais le corps est en Christ. Le corps n'est pas hors de Christ, le corps est dans Christ. C'est pour cela qu'il est important que chacun de nous se pose la question, est-ce que je suis déjà mort en Christ, ou alors je suis juste dans le coma en Christ, et que lorsqu'il y a de fortes secousses dans ma foi chrétienne, là, je vais me réveiller et fuir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand tu connais déjà comment manger la chair de Jésus, il faut que tu apprennes maintenant comment boire son sang, tu vois. Donc, je te forme à la sorcellerie chrétienne, à la sorcellerie christologique. Maintenant, comment boire le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est quoi? C'est pas le vin que tu bois là, qui est le sang de Jésus. Non. Le sang de Jésus, c'est dans la vie réelle. Le sang de Jésus-Christ représente quoi d'abord? C'est le sang de la nouvelle alliance. Donc ce sang symbolise une nouvelle alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réconciliation avec Dieu est possible désormais. Le salut est possible. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus sur la croix a coulé. Donc, je suis sauvé. Ce sang me rapproche de Dieu. Sans ce sang, je ne peux pas être sauvé. Sans ce sang, nul ne peut être rapproché de Dieu. Sans ce sang, personne ne peut communiquer avec Dieu. Donc, le sang de Jésus me donne l'ouverture vers le ciel, l'accès à Dieu. Donc, c'est la nouvelle alliance, le sang de Jésus. C'est la nouvelle alliance. Ça dit que cette alliance-là a des promesses plus grandes, plus fortes et plus puissantes que l'ancienne alliance. Donc, le sang de Jésus me donne accès aux promesses de Dieu et aux bénédictions du royaume. Sans le sang de Jésus, si je ne bois pas de son sang, je ne peux pas bénéficier de ces bénédictions qui sont le garant de mon héritage. Tous ceux qui sont de Christ, qui sont en Christ, qui sont pour Christ, ont renoncé à leur vie passée et ils ont pas au sang de Jésus. Maintenant, quand tu manges son corps te donne accès aux bénédictions de son sang parce que le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus représente la vie de Jésus, l'œuvre et le ministère de Christ, ses souffrances, ses sacrifices, etc., ses combats, etc., qui sont ton héritage. Et quand tu manges la chair, le sang, lui, apporte plutôt les bénédictions et les réponses. Vous voyez? Le sang, c'est la nouvelle alliance. Tu entres maintenant dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que tu as mangé la chair d'abord. Tu as mangé la chair de Jésus. Tu connais comment manger sa chair. Vous voyez? C'est la chair. Donc, tu sais comment manger sa chair. Désormais, le sang te donne accès à la nouvelle alliance. Vous voyez? Et le sang, c'est le symbole de la purification.
tes péchés sont purifiés. Le sang a une double action épuratrice, l'action propitiatoire et expiatoire. C'est quoi la propitiation? La propitiation, c'est l'effacement. Vous voyez? Hein? L'expiation, c'est l'effacement. Expier, ça veut dire effacer. Le sang de Jésus efface nos péchés. À chaque fois que tu te mets devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal fait, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé, le sang de Jésus automatiquement efface tes péchés. La propitiation, c'est quoi? C'est couvrir. Si tes péchés sont couverts, Dieu ne s'en souvient plus jamais. Donc, c'est effacé, c'est couvert. Dieu ne s'en souvient plus jamais. Voilà pourquoi c'est ceux qui mangent le corps de Christ qui savent comment ça se passe dans cet anthropophagisme chrétien, qui savent comment ça se passe, vous voyez. C'est ceux-là qui maîtrisent cet art-là, qui ont droit au bénéfice du sang de Jésus, vous voyez. Donc, le sang de Christ pardonne nos péchés, lave nos iniquités. Voilà pourquoi on parle de pardonner nos péchés. Hein, c'est-à-dire qu'on parle de pardonner nos péchés. Il ne s'agit pas de pratiquer le péché, non. On parle de pardonner le péché. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que tu as mal fait, tu as péché, tu demandes pardon et tu as la foi que le Seigneur t'a délivré et le Seigneur te délivre. Le sang de Christ immédiatement te lave. Donc, le sang de Jésus-Christ a tellement de vertus en lui, tellement de vertus. Le sang de Jésus permet aussi la réconciliation avec Dieu. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, s'il n'avait pas coulé sur la croix, personne ne serait réconcilié avec Dieu. Voilà pourquoi nous, chrétiens, sommes heureux. Je suis fier d'être chrétien. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Le sang de Jésus-Christ m'a réconcilié avec Dieu. Le sang de Jésus m'a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le sang de Jésus-Christ m'a ouvert la porte pour la vie éternelle. Mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle grâce au sang de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, que la main de Dieu soit avec vous, que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment donnée. Si vous êtes un chrétien, vous n'avez jamais mangé la chair humaine, vous n'avez jamais bu le sang humain de Jésus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore un vrai chrétien, vous n'êtes pas sauvé. Pourquoi? La Bible dit, Jésus dit ceci, il dit ceci, vous comprenez? Il dit, « Hegar saxmou, car ma chair aletes estin brossis, car ma chair est en réalité une bonne nourriture. Kaito aimamou aletes estin possis, et mon sang est un bon breuvage, et en vérité, un bon breuvage. » Donc, que le Seigneur te bénisse, que sa main et sa grâce reposent dans ta vie. Que le Seigneur t'accorde la grâce de savoir comment mange la chair de Jésus et comment boit son sang. Donc, en résumé, retiens que manger la chair de Jésus, ce n'est pas seulement la Sainte Cène, ou bien boire le foléré, qu'on voit à l'église. Non, c'est plus que ça. C'est s'identifier à Christ, accepter l'image de Christ, accepter la vie de Christ, se soumettre à la vie de Christ pour bénéficier de toutes les grâces et bénédictions que son sang a mis à notre disposition. Que le Seigneur te bénisse. Je ne parlerai pas plus longtemps que ça. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Shalom, shalom, shalom.